Aujourd'hui, on est mardi et je suis encore en train d'arroser des plantes. Vous avez eu la vidéo lundi, ça? Oui, c'est ça. Lundi, j'ai fait le plant care. Et là, ça continue, fait que j'avais envie de faire une semaine avec moi, hein? Qui passe ma semaine à arroser des plantes. Jour, soir, nuit, fin de semaine, semaine, tout le temps. Fait que là, dans le fond, ce que j'aime arroser, c'est mes chaînes ou mes restants de chaînes de perles en haut. Qu'on va sûrement recommencer mardi prochain. Puis mes Aya. Puis j'avais aussi mes caladiums à faire. Fait que c'est ça. Puis tant qu'à t'avoir, ça se tend le ciel, cette petite merveille. On a une lampe florale ici. On avait cinq, si je me trompe pas. Une autre ici, une qui est en train de finir juste ici. Puis, regardez, on a une autre qui vient de presque terminer ici. En tout cas, on avait maudit. Ça sentait bon. Fait que c'est ça. On continue d'arroser les petites plantes ensemble. Là, on a juste la moitié de fête des Canadiens. Lui, ça va super bien. Ah! Mais c'est pas grave. Celui-là, il est là au Québec. Fait que c'est pas. Mais c'est ça. Lui, il est en train, il y va. Fait que là, on va lui redonner un petit peu de sauce. Mais comme vous voyez, au niveau des arrosages de mes Canadiens, c'est quand même assez léger pour qu'ils partent. Fait que je voudrais surtout pas faire pourrir les bulbes. Fait que voilà. Fait que c'est à peu près 3-4 tours par pot. Puis après ça, deux shoots à tout le monde. Puis après ça, c'est pas mal ça qui est ça. Je les laisse un petit peu s'égoutter, mais normalement, c'est pas assez pour que ça coule en dessous. C'est juste pour dire que le terreau sur le dessus est quand même un petit peu humide. Voilà. Fait que là, je resserre les pots. On va resserrer ça tout de suite, immédiatement, dans le beau bac, juste ici. Nous sommes à la deuxième barquette. Fait que j'ai sélectionné ceux qui étaient le plus sec. Puis, ben c'est ça. Eux autres, on va pouvoir les arroser. Puis, dans le fond, de toute façon, j'ai tout le temps un œil dessus. Fait que, aussitôt qu'ils vont devenir secs, ceux que j'arrose pas aujourd'hui, je vais les arroser parce que je veux savoir que ça va faire plus qu'une grosse semaine qu'on va être arrosé. Il y a certains pots qui sèchent un petit peu moins vite. D'autres que ça va plus vite. Puis, vous vous rappelez de la petite boutique que j'avais gardée pour la chaîne de perles Variegata? Elle est partie!
Fait que j'en profite, je l'arrose en même temps. C'est pas la journée de la Millsbo aujourd'hui. Mais quand même, je vais arroser au moins tout cet étage qui a besoin d'être arrosé. Ça va me faire un étage de moins à faire cette semaine. Fait que voilà. Toutes les caladiums sont en pot 4 pouces, toute la gang. Fait que si tu te poses la question. Puis ils ont tous un bulbe par pot. J'ai hâte de voir si ça va être assez pour faire des plants complets. Mais le but cette année n'étant pas de faire des plants complets, mais de laisser les bulbes, dans le fond, grossir, faire des petits bébés. Fait que j'espère que ça va bien fonctionner. Bon, je m'en allais dans le bain, mais comme il y a toujours des imprévus quand t'as autant de plantes, mes terreaux étaient très secs là-dedans. Fait que il y a toujours des plantes qui traînent dans mon lavabo. Des fois même, le soir avant d'aller me coucher, je vais genre aller faire un petit tour dans mes livres ou dans mes tablettes. Puis là, si j'en spotte une, ben. Je vais tout de suite l'arroser, fait qu'elle va, genre, c'est ça, il peut être 9h le soir. Puis, je suis encore en train d'arroser des plantes. Puis là, je vais essayer de faire comme un challenge avec moi-même, c'est genre de filmer ma semaine en arrosage de plantes. Mais savoir combien de fois je suis venue travailler, puis je suis encore en train d'arroser des maudites plantes. Écoutez, faut aimer ça, hein? Faut aimer ça. J'adore ça. J'adore pas l'arrosage, mais j'aime les plantes, heureusement, puis je tiens vraiment à ce qui reste toujours belle. Fait que j'ai tout le temps. C'est comme une maman, hein? J'ai tout le temps un œil sur mes plantes, savoir si tout le monde va bien. Ça arrive des fois qu'il y a des pertes, puis des fois, il y a des semaines depuis que l'été est arrivé, tu sais. C'est un peu plus difficile, il faut que j'ajuste mes arrosages. Puis, comme à chaque année, je fais des gaffes un peu partout. Là. Puis, encore plus quand tu as comme un billard de plantes. Là. Fait que ça. Comme, j'ai bien hâte de vous parler de ça, là. En haut, là, là. Ça, là. Ça, là. Ah! Les chaînes de perles. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire des arrêts d'arrosage. J'ai commencé à en faire depuis que l'été est arrivé. Fait que le terreau sèche moins vite. La mise beau va sécher plus vite. Ça, ce qui est en air libre dans la maison sèche moins vite parce que le taux d'humidité est plus haut. Fait que, tu sais, c'est vraiment. L'adaptation. Là, tu vas me dire, mon Dieu, tu bois ça là, toutes les fois que tu fais une vidéo. Oui. Oui. Ça déstresse. Un petit verre de vin pour arroser ses plantes. Pas ça, la vraie vie d'un adulte. Tabarouette. Fait que c'est ça. Je vais te montrer que même quand tu penses aller dans ton bain à 7h23 le soir, puis que t'as juste sort de tes foirées parce que t'es debout depuis 4h50 le matin, c'est pas toujours possible. Fait que c'est ça aussi, avoir autant de plantes. C'est de se dire, ah, soit j'espère de pouvoir être dans le divan. À 7h, c'était mon range, puis finalement, il me reste 7 minutes si je veux être à 7h30 dans le divan pour me laver les fesses, puis finir ma maudite arrosage. Fait que c'est ça! Tu veux-tu les voir? Tant qu'à ça, c'est bien montrer des belles plantes. À la cassia Jacqueline et 40, pour vrai, là, sont super belles. D'ailleurs, il faudra que j'aille vérifier les buts de billes. J'en ai, je pense, 13. Mais il faudrait que je vérifie si je ne suis pas en train de les faire pourrir parce qu'ils sont abandonnés dans la serre à la Castilla Poly. Avec vraiment beaucoup de feuilles. Je pense que c'est 2 pieds. Hein? Oui, c'est ça. Il y a 2 pieds. Puis sur les 2 pieds, il y a juste cette feuille-là qui est maganée. Mais même 3 pieds. Regardez, on a un petit bébé ici qui pousse. Fait que très, très avantageux. Très, très joli d'ailleurs. Voilà. Petite beauté. Fait que, on dira, là, c'est le terreau de mon fournisseur qui est un peu de la chenoute. C'est pour ça que je dois vérifier extrêmement souvent mes plantes. Mais, ça vient ça! Mercredi, 5h40 du matin, je viens de voir qu'il y a une plante
Blah, blah, blah. Puis je touche. Et puis ça tic. Fait que c'est ça ma vie. On va arroser ça. Heureusement, le terreau il est vraiment drainant. Fait que j'arrose. Puis ça, il boit tout de suite. C'est comme là, le pot est déjà lourd. Fait que elle va être capable de bien vivre sa vie jusqu'à ce que je finisse de travailler. OK. À tantôt. On est mercredi en fin de journée, 5h10. J'ouvre ma caméra juste pour dire que, en fait, pour jaser, me suis fait de frauder ma carte de crédit. C'est de la merde. Fait que c'est ça. Moi, en fin de semaine, c'est ça. Même pas en fin de semaine, mais pour moi, c'est la fin de semaine parce que c'est ça, j'étais en congé dans la semaine. Puis, je me suis acheté une application qui s'appelle Radar Stop. Je vous en avais parlé, je crois. Puis, c'était sur Google. Fait que Google Play. Google Play, c'est un Google Play. Apple, pas Apple. Non, c'est ça. C'est Google Play. Puis, c'est genre 10$ l'appli. Fait que j'étais comme genre good, 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 good. Puis, il y a genre, tu sais, comme les meilleurs, mais pas les meilleurs, mais les amateurs de météo, genre, qui prennent ça pour checker les orages et tout. Ah, oh, on a une souris qui est passée venir manger du chocolat dans la nuit, tu sais, moi. Puis, Fait que là, tu sais, les autres, ils disaient comme, ah ouais, le meilleur radar, c'est RadarScope. Fait que moi, je suis allée l'acheter. Puis là, bam, ça c'était lundi. Mardi, il y a une transaction Facebook qui est passée sur mon compte à 13,80$. Puis aujourd'hui, ça allait encore essayer de repasser. Puis là, la banque a coupé la carte. Fait que heureusement, je ne sais pas si c'est RadarScope qui a genre son application est corrompue ou XY. Là. C'est ce que je crois. Parce que moi, je pense que ça m'est arrivé une fois dans ma vie de me faire cloner ma carte de débit. Genre, je pense que j'avais comme, je sais pas, 16-17 ans. Ça fait longtemps, là. Puis je magasine, tu sais, pas tant que ça, mais tu sais, sur Facebook, très rarement, à part pour la publicité de l'achat qui nécessite que je paye, c'est tout. Mais là, c'est ça. Est-ce que Radarscope a pris mes informations? J'ai envie de dire que oui. Faites attention si jamais vous voulez acheter des applis sur Google Play. Il y a peut-être des chances que ça fasse la merde. Là, j'aurais pas de. Je n'aurai pas de carte de crédit pour aller 7 à 10 jours. Sachant que je ne fonctionne qu'avec celle-là. J'aime bien ça. Je sais pas, ça ramasse des points et tout. Fait que pendant 2 semaines, pas de points. Puis ça va comme. C'est comme bizarre, tu sais, parce que là, je vais vouloir vraiment tout checker ce que j'achète. Parce que là, tu sais, sa carte de crédit, tu peux payer à la fin du mois. Mais là, ça va être straight pipe dans mes poches. Malheureusement, c'est correct, là. Il y avait 3 pays ce mois-ci, là, pour moi, là. Fait que je suis comme. Ça va bien, je suis contente. Ça vaut comme. J'ai 2 semaines à toffer, là. Ben, entre 7 et 10 jours. Fait que. Je vais faire attention à mes dépenses. Pas grave, j'ai mon barbecue, ça va bien aller. Là, hier, j'ai acheté une petite bâche qui va par-dessus, dans le fond, une toile de chaise. T'as vu? Je vais mieux parler que ça. C'est une housse de fauteuil. Comme ça, pour mettre par-dessus mon petit barbecue. Parce que j'avais pas vraiment envie d'acheter la bâche qui va par-dessus à comme probablement beaucoup trop de dollars. Fait que j'ai pris la décision d'acheter ça. 2 piastres. Puis ça va être bien correct de même. Puis c'est ça. C'est un vinyle épais gaufré. Contour élastique pour un meilleur ajustement. Bon, ça je n'aurais pas de besoin clairement. Mon barbecue, il est même pas proche d'être un fauteuil. Fait que voilà. Fait que là, je m'en vais à souper. Après ça, sûrement que je te revois pour l'arrosage de la mise beau. Tout ça sans carte de crédit. Hey, ça va être de la chenoute, là. Tout le monde roule avec ça aujourd'hui. C'est fouette, là. Oh, je suis triste. Je n'ai pas envie d'utiliser ma carte de débit. Mais chapeau à la banque qui l'a vu parce que moi, je dépense tellement avec cette carte-là. C'est comme toute l'entreprise passe dessus, plus mes dépenses personnelles. Il y a tellement de transactions qui se fait que je l'aurais probablement même pas vu passer. Fait que ouais. C'est une carte qui roule. Elle se fait payer à la fin du mois, mais elle roule en temps. Fait que c'est ça.
Voilà. Fait que j'ai l'air d'une épaisse, puis ma carte était refusée, puis j'étais comme genre, oh, c'était possible. I know it. Mais j'avais pas pensé que je pouvais me faire. Fait que ça, 4 minutes là-dessus. OK, bye. OK. Fait que finalement, j'ai pris la décision de retarder un petit peu la mise beau. Je vais peut-être attendre à... Mon Dieu, on dirait que c'est comme embrouillé. Tu peux-tu? Ah, c'est peut-être mieux. J'ai pris la décision d'écouter un petit épisode de genre... ben, dans le fond, c'est les trucs de Bridgerton là, sur Netflix. Mais c'est le chapitre 1. Fait que c'est avec la reine. Fait que... parce que c'est ça. Fait que je vais écouter ça avant que mon chum embarque sur Netflix. Fait que c'est ça. Il est 7h15, je me mets là-dessus. Puis probablement qu'au travers de tout ça, je risque d'arroser la mise beau parce que cette semaine, c'est le gros arrosage. Ça, c'est un arrosage de quasiment 2 jours, 8 heures de temps. Parce que c'est toutes les plantes de la maison, plus les plantes, dans le fond, communes et les plantes rares. Fait que c'est comme the huge one. Fait que c'est genre, je passe mon samedi quasiment rien qu'à faire ça. Mais là, je vais peut-être le faire juste dimanche ou lundi. C'est quand même un dimanche? Ça va être dimanche probablement parce que mardi, je m'en vais chez mon producteur. Je vais voir. Je vais voir. Peut-être que je vais skipper cette semaine. Je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est l'été, les gens sont un peu plus style jardin que genre en mode plante intérieure. Là. Fait que je vais peut-être skip un petit restock. Je vais passer à ça. Après avoir broyé comme une madeleine sur le chapitre numéro 6 de la Reine Charlotte de Bridgerton, j'ai vraiment de la job à faire. Faut vraiment que j'arrose ma demoiselle. Ici, c'est sec comme la mort. Puis c'est ça. Elle est-tu rendue grosse, hein? Mais c'est ça. On va commencer avec elle. Mais j'ai quand même une coupe dans mes beaux à faire. Ce qui est le fun, c'est que mes chips tombent. Attends une minute. Il ne faut pas manger les chips, Bibi. Ah, pas bruit. Les chips sous, il y a vu ça. C'est comme un méga snack. On a 3 secondes qui disent pour les manger, mais je ne prendrai pas la chance. Pas que mon plancher n'est pas prêt. Ce que je voulais dire, c'est que, dans le fond, mes allocations à la maison, on prend vraiment beaucoup de temps sécher avant que je les arrose. En fait, je les arrose aux 2 semaines. Avant, j'ai laissé un petit peu plus humide en tout cas. Dans ce temps, j'arrose une bonne fois, qui est ce que vous venez de voir là. Ça va imbiber le terreau. Comme ça. Puis, il se pourrait que je la réarrose un petit peu la semaine prochaine, mais vraiment pas grand chose. Parce que c'est ça. C'est comme ça qu'elle vit bien sa vie. Puis, je n'y mets pas nécessairement d'engrais pour l'instant, puisqu'elle a du compost de lombrique. Mais elle est rendue écœurante, sincèrement. Là. Depuis que j'ai acheté le nouveau pied, je suis in love with it. Puis, dans le fond, mon cerveau, je me garde une petite place pour peut-être acheter un troisième pied. Ma grosse Friday, elle a comme 6 ou 7 pieds. Là. Fait que, au fil des années, je peux me gâter puis me racheter un petit pied par année. Là. C'est pas. C'est une des plantes qui ne déprécie pas, sincèrement. Là. Mais. Oh, ça reste une de mes faves. Ouais. Fait que, quand ça va chercher les autres, là, je pourrais regarder cette plante à l'infini. On va faire 2 minutes là-dessus. Avant que je brise quelque chose, je vais aller chercher les autres. Ce qui arrive quand tu arroses juste une fois 2 semaines, tu peux découvrir des choses vraiment pas intéressantes, puis d'autres qui sont vraiment cool. Comme ici, on a le sein d'abscis Salaka, qui est en train de sortir une nouvelle feuille ici. Puis en tout cas, une que tu vois pas, qui est probablement séchée parce que dû au manque d'arrosage. Puis là, on va se prendre un petit ciseau. Parce que notre Rubicon aussi, il a de la misère à sa vie. Fait que ça fait partie du plan care. Et voilà, ça n'a pas été facile. Fait que je coupe. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y a 2 nouvelles feuilles, une toute verte qui viennent de sortir avec une... Y a-t-il une légère étage blanche? Non. C'est une feuille toute verte. Fait qu'il faisait des half moon. Fait que j'ai hâte de voir la prochaine. Puis si la prochaine, elle sort pas comme... Avec de la variation, je vais organiser la chose. On continue. On a la superbe Alocasia Dragon Scale. Non, c'est la Silver Dragon, excuse-moi. Une de mes préfs.
qui, elle, ne sèche jamais, qui est la Synapsus crème brûlée. Ça me faisait mal. C'était censé être un plan-mère, mais ses tiges sont tellement serrées que je peux même pas faire de bouture, puis il est juste très beau. Fait que c'est ça. Il y a des plantes comme ça que je décide de juste de laisser évoluer. Synapsus Mangary. Bon, la dernière feuille, c'est une feuille d'importation, mais tout ce qui est du reste, c'est des nouvelles feuilles. Fait que lui étant aussi un plant-mère de la chute, mais il n'est pas assez varié, fait que je laisse se développer. Moi, j'arrose vraiment beaucoup mes Synapsus, mais je n'y retouche pas avant 2 semaines habituellement. À moins que je vois que les feuilles flétrissent, je m'en occupe pas. Fait que, une chose qui est sûre, c'est que la Synapsus rubicon que j'ai coupé ça ici, lui, il va continuer de dégénérer. Là, tu vas me dire, ben, comment ça, tu sais ça? Expérience. Parce que là, il y a eu trop soif, là, j'y redonne trop d'eau, fait qu'il va comme péter une coche. Puis son brun va continuer de juste s'éparpiller sur la feuille, puis on va finir par la perdre. C'est pas grave, c'est pas quelque chose qui me stresse. Pour les Synapsus, je les arrose un petit peu moins que les alocasias. Les alocasias, normalement, je les laisse sécher, mais après ça, je les arrose bien comme il faut. Puis en normalité, j'essaye de garder le terreau toujours légèrement humide. Mais ça, c'est quand je suis capable. Si je suis pas capable, pour vrai, les alos vivent très bien avec le traitement bizarre que je leur donne, qui est une fois ou 2 semaines. Mais c'est ça. Là, on a un pot 2,5 pouces, fait qu'il sèche d'autant plus rapidement qu'un pot, mettons, 4 pouces ou 6 pouces. Fait que voilà, c'est pour ça qu'il faut que je m'en occupe un petit peu plus souvent. Je m'en vais chercher les autres. Et on se parle vraiment sur un coin de comptoir, hein? Et bon, j'ai des choses super belles à vous montrer. Et dans le fond, j'ai un Synapsus. Celui-là, c'est un Synapsus Aurea. Et c'est le plan-mère qui n'est pas encore sur la shop. Et dans le fond, un plan-mère, ça sert à faire plutôt plus des boutures puis de vendre les feuilles séparément. Fait que j'ai celui-là qui est vraiment super beau. Le Synapsus Hologramme. Lui, là, il faut une belle luminosité pour le contempler. Là, on voit des variations dans le jaune ici en haut. La feuille la plus variée qui est ici. Puis on a celle en dessous qui a sorti juste aucune variation, mais c'est bien correct. Elle a la génétique pour sortir des variations. Fait que c'est pas parce que, mettons que demain matin, je coupe cette feuille-là, puis que j'en fais une bouture, ça veut pas dire qu'il y aura pas de variation. Ou bien au contraire, ça peut être hyper surprenant que sur le stem, il y ait la variation. Fait que voilà. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Puis, on a le Synapsus Mangary, le deuxième plan-mère que j'ai. Je vais juste enlever ceux-là avant de m'attaquer à vous montrer les autres parce qu'il faut que ça s'arrose, ces petits bébés-là. Là, mon Mangary, là, il me fait n'importe quoi. Mais comme n'importe quoi, comme genre insane, là, OK? Fait que voici mon plan de Mangary. Il est en train de me faire des feuilles qui ressemblent à du Maillary. Littéralement. Puis là, je viens de voir qu'il me sortait un autre Half Moon ici, genre, wow! Puis dans son feuillage, c'est ça, ses feuilles. Fait que je vous le montre à la lumière normale, là. Parce que je trouve que la luminosité là-bas est pas belle. Tu sais, on a une feuille qui est comme, OK, fine. On a une feuille qui est comme, ouais, bof, bof. Puis une génétique de mongole au pied. Fait que sa génétique de mongole vient d'un pied qui a poussé complètement à côté. Fait que ça arrive souvent, sincèrement, là. Ça m'a fait la même chose avec mon Synapsus Marble Queen, que le pied qui a poussé à côté est 1000 fois plus beau que la plante en général. Fait que voilà. Fait qu'elle va sûrement perdre cette feuille-là. Elle aussi étant une feuille d'importation, tout le reste étant des feuilles qui ont poussé à la maison. Cette feuille-là aussi est très, très, très jolie. Fait qu'on s'en va arroser celle-là aussi. Là, vous voyez pas les bébés, ils sont tous dans le lavabo. Je vérifie, je trouve qu'il est légèrement humide, fait qu'on l'arrosera pas trop, on veut pas le nayer non plus, là. Mais juste assez, parce que tu sais, des fois, avec le manque d'eau dans le sol, ils vont avoir plus de la misère à dérouler leurs feuilles. Les Synapsus, c'est vraiment
Je dirais bien ça. D'être drama queen. Mais, à mon sens, à moi, les seins d'abscisse, c'est vraiment les plus belles plantes. Qu'est-ce que tu veux? Je suis une amoureuse des seins d'abscisse. Puis là, tu sais, j'ai pleuré, hein, fait que... Ne juge pas ma face. Là, là-dedans, on va voir... Hey, on en a tellement fait, gang. Mais moi, je vais me coucher bientôt parce que je me lève vraiment de bonne heure. On va voir le sein d'abscisse qui est vraiment tough dans la vie. Sincèrement, j'ai plein de seins d'abscisse, mais lui, là, il me fait chier. Qui c'est quoi déjà son nom? Silver Queen? Quelque chose qui ressemble à ça. Lui, je vais toucher. Voilà, c'est encore légèrement humide. Pourquoi ça me fait de la merde? Ok. Ça, c'est... J'y enlève sa feuille. Il m'a fait une feuille pas belle avant que je vous la montre. C'est... La glaronéma. Je m'en rappelle plus. J'espère que je vais vous la montrer, mais t'as encore mine. Puis l'autre, je vous le montre pendant que je fais l'arrosage. Et j'ai retrouvé le nom. C'est Aglaonema Gillyred. Fait que là, je vous l'ai montré. Puis là, la mariposa qui est en train de me faire beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Fait qu'on avait... regarde, on va se mettre dans une suite en optique bonne luminosité, là. Fait qu'on a eu cette feuille-là qui est sortie. Difforme, mais a quand même une super belle variation ici. Deuxième feuille, rien. Et troisième feuille, une half moon qui a l'air aussi d'une feuille d'abscisse Mayeri. Mais là, elle me sort ça. Puis une feuille au bout. Fait que ça veut dire que je peux couper là, je vais avoir une feuille. Je peux couper là, je vais avoir une feuille. Puis je peux couper à plein de places. On l'aime, la mariposa, sincèrement. Love it. Mais c'est ça, elle est comme mélangée. Puis quand elle a soif, ben là, elle frise de même. Fait que là, c'est sec, sec, sec. Fait que, on va arroser Mademoiselle Mariposa. Puis on va retourner tout le monde dans la mise beau. Là, on va en avoir fait une partie de la mise beau pour ce soir. L'autre partie, peut-être demain, parce que mon chum est à la maison. Il m'a vraiment sorti de la merde. Je l'aimais tellement, cette syndapsis-là, puis je trouve qu'elle est vraiment compliquée comparativement aux autres. Là. Je sais pas pourquoi qu'elle fait du chichi de même. Là. Faudrait que je la rempote, puis que je vérifie, genre, pourquoi ça va pas. Là. Les racines, ils ont certainement quelque chose. Pourtant, toutes les autres qui ont de la variation blanche, ça va vraiment bien. Les plus top des top. Hey, ça, c'est lourd, hein? C'est bien trop arrosé. Mais c'est ça. Taval qui fait, comme je vous dis, ces temps-ci, des erreurs d'arrosage, là, fait que... Mais c'est correct. Ce que je vais faire, c'est vraiment comme je vais attendre peut-être même 3 semaines avant de les arroser. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de dégradation, parce que là, c'est vraiment lourd, là. J'ai genre vraiment trop arrosé. Mais c'est correct. J'aime mieux trop arroser que passer. La plupart des gens aiment mieux pas trop arroser. Mais dans la mise boue, des fois, au contraire, ça sèche super vite. À cause de la grow light, des grow light. Puis parfois, comme c'est trop humide, fait que ça sèche pas. Fait que ça dépend vraiment des semaines. C'est, puis moi, j'ai pas d'aération dans mes musbos. Fait que c'est ça qui fait vraiment toute la différence. C'est quelqu'un qui aurait de l'aération, ça sécherait vraiment rapidement. Moi, non. Excusez, je démarre les deux synapses qui veulent se manger. Merci. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce qui fait toute la différence. Puis comme je vous dis, l'été... L'hiver, c'est pas pareil. Fait que là, on a fait une partie. Je vais vous montrer qu'est-ce qui a été arrosé. Dans le fond, étage 1 a été arrosé aujourd'hui. Étage 2, 3 a été arrosé hier. Puis là, il va me rester ça pour demain. Puis là-dedans, on a arrosé déjà la locatia Jacqueline. Puis les autres, il va falloir s'en occuper. Il y a des cuttings, un cutting de Monstera Albo qu'il faut regarder, voir comment ça s'enligne avec ça. Ça a été coupé cette semaine pour le site. Fait que j'ai vraiment hâte de voir s'il y a eu une certaine petite évolution. Puis j'ai vu qu'elle avait commencé à brunir un petit coin, mais c'était vraiment rien de grave. Puis celle que j'ai coupée, c'est ma queen Albo là, que j'aime tellement. Là, genre la grosse avec, je sais pas, la génétique juste parfaite Half Moon. Fait qu'elle, elle a été coupée. Je m'excuse, je fais tout en même temps. Bref,
Je me suis convaincue, je me suis dit, bon, Val, let's go. That's the time. T'es prête mentalement. Fait que des fois, c'est juste ça. Hein. Tu sais, t'aimes une plante, puis là, tu te dis, ouais, c'est parce que c'est bien beau d'acheter en importation, mais c'est parce que le but, c'est de vendre. Ou sinon, tu sais, comme tu te retrouves endetté, là. Parce qu'il faut que tu repayes ces plantes-là à un moment donné. Fait que c'est un peu ça, avoir une entreprise, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je l'ai coupé. C'est fait. J'ai brisé mon cœur de maman qui aime beaucoup trop les Monstératailles, Constellation, puis Albo. C'est fait. Fait que probablement, normalement, dans 2 mois, 1 mois et demi, ils sont sur le site. Puis j'ai aussi des cuttings qui sont en préparation pour les Monstera Aurea. Ça vient de plus en plus, bon, on va dire moins en demande, mais c'est ça pareil. Moi, je trouve que c'est des plantes très, très belles. Puis aussi magnifiques qu'au début quand on a commencé à les voir. Puis d'autant plus qu'ils s'adaptent quand même super bien à notre environnement. Fait que, genre, j'aime bien. Là, toi, tu te pognes dans la porte, ça, j'aime moins ça. Fait que je te réserve, probablement sans parler demain, parce que mon chum est en télétravail. Je vais me filmer en train d'arroser les plantes. Mais tu vas me voir jaser, mais probablement avec mon chum, puis en sourdine avec la petite musique. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Fait que mercredi, demain, jeudi, il nous reste encore jusqu'à mardi prochain à arroser les plantes. Tu vas voir, c'est quoi ma vie de fille qui essaye d'avoir une vie? Hey, écoutez, je m'en plains pas, hein. Bien au contraire. Mais c'est juste que des fois, je me dis comme, c'est sûr que le monde ne comprenne pas ce qu'il y a en arrière de tout ça, genre, l'implication. Surtout, la routine avec 3 animaux, un animal qui, là, ma belle Paris, c'est comme, c'est un miracle de l'univers, elle va tellement bien, mais tu sais, ça reste quand même qu'il y a encore beaucoup de soins à faire. Fait que, plus le travail, plus, tu sais, fait que là, quand j'ai réussi à master comme 1h15 pour écouter la TV, c'est très bien, là. C'est très, très bien. Fait que, genre, je suis vraiment heureuse de ça. Fait que ce soir, j'ai pu écouter la TV. Val est contente. Val, elle s'en va faire la même routine qu'hier. On s'en va refermer toutes les lumières, puis je te souhaite une bonne nuit, puis on se revoit sûrement demain sur une petite musique. Bon matin! Tabarouette de tabarouette. Je suis cassée. Je fais dur. C'est ça. Il est 7h. Et 7. On est, je pense, lundi. Ouais. Ouais. Il s'est passé beaucoup de choses. Je te mets sous trépied. Comme ça. Je suis encore en pyjama. Je sens l'antiflogistine. Je me suis mal couchée avant hier. Fait qu'hier, j'ai passé la journée quasiment avec un genre de... Qui a le goût, mais qui y va pas. Fait que là, c'est ça. Là, j'ai encore mal. Fait que je reste en mou quand même 7 heures. Là. C'est le gros arrosage de toutes mes plantes communes à matin. Hein. Plus toutes les plantes de la shop, plus toutes les plantes rares. Fait que c'est le méga gros arrosage une fois 2 semaines. Fait que j'embraye ça tout de suite. Mais avant tout, puisque je n'ai pas beaucoup de vie sociale. J'ai envie de te jaser de quelque chose que, genre, je fais jamais. Mais en fait, c'est rare que je parle de ces affaires-là, là, mais là, j'avais envie. Parce que là, je me suis gâtée puis plus que pas assez. Mais je vais expliquer ma raison. Là. Je sais que tu ne me connais pas sur cet angle, mais je suis une petite femme de sacoche. Puis, c'est ça, tu sais, genre... J'allais souvent magasiner. Nous autres, on a comme un genre d'entrepôt Michael Kors qui, genre, vend vraiment pas cher les sacoches, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est la compagnie qui met un brand, tu sais, genre Michael Kors, qui met son brand sur des sacoches qui vont faire beaucoup plus cheap pour être plus accessible, je vais dire. Fait que, genre, c'était comme 100$, des fois 150$. Tu en as 200, là, des sacoches là-bas, mais moi, en tout cas, je m'en ai payé 2. Je pense qu'il y en a une qui valait 100-150, puis l'autre 100$. Parce que j'avais envie d'avoir des sacoches qui duraient dans le temps. Je suis pas une fille qui aime ça, magasiner des sacoches à tout bout de champ, là. Fait que, tu sais, puis sachant que, c'est ça, je les ai pris comme avec les couleurs que j'aimais. Je suis quelqu'un qui prend normalement des couleurs funky, quand même. Ma première sacoche, c'est une rose. Ben, je vais vous les montrer. On parle de tout de suite. Je spécifie que je suis pas quelqu'un qui comprend vraiment l'entretien d'une sacoche, OK? Fait qu'elle est un peu sale. Fait que ça, c'est ma première sacoche dite de luxe pour n'importe qui, mettons quelqu'un normal. Là.
que je me suis payé, OK, à 100$. C'était 99$. Fait qu'elle montait à 115$. Puis moi, j'utilise ça comme sacoche de tous les jours. Fait que j'ai jamais préservé vraiment l'intérieur. C'est bourré de cochonneries là-dedans. Je la mets plus. Mais, tu sais, instauré, mais... J'ai jamais en été plus qu'en hiver. Puis en plus, elle est grosse un petit peu pour ce qui me convient présentement. Fait que j'avais acheté elle. Puis j'en ai acheté un que c'était la mode dernièrement d'avoir la sacoche style sac à dos. Une tâche ici, j'avais acheté celle-là. Parce que j'aimais le concept de pas avoir tout le temps la maudite sacoche sur l'épaule. Fait que... Mais j'ai vite compris que c'était un problème aussi pour moi, cette sacoche-là, qui est d'ailleurs remplie à fond la caisse de cochonnerie aussi, parce que je la mets pas. Pas pour l'instant. Tu sais, c'est des sacoches que j'ai portées genre 1 an, 2 ans. Puis, c'est ça, quand tu viens pour t'asseoir dans l'auto, faut tout le temps que tu l'enlèves, puis là, tu la remettes, puis là, tatati, puis tatata, puis ça me tapait ses nerfs. Mais c'est une belle sacoche que j'aime mettre en automne. Puis là, j'écoutais Melting Curse. Curse. En tout cas, je vais l'écrire en bas, j'ai de la misère avec ma prononciation ce matin. Elle a fait une vidéo sur une nouvelle marque de luxe qui est sortie. Puis vu que, comme, je sais pas, tu sais, à temps perdu, j'aime ça écouter des vidéos sur YouTube, puis j'écoutais beaucoup de vidéos de sacs de luxe. Puis jamais j'aurais été capable de me payer un sac Chanel, un sac Hermès. Sac Chanel, c'est 10 000 et plus. Sac Hermès, on est dans le 20 000. Puis là, il y a une nouvelle compagnie qui est sortie, qui a un fournisseur, dans le fond, son fournisseur de cuir, c'est le même fournisseur que Hermès, puis tout. Le sac à 20 000 piastres, là, tu sais. C'est là que tu te dis jamais, c'est impossible, là, à moins que je gagne à l'auto, là, tu sais. Puis même encore là, est-ce que je mettrais 20 000 dans un sac? Je sais pas. Fait que, puis là, c'est ça. Elle s'appelle Cost, puis j'ai décidé de m'acheter un sac là-bas. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que le sac, il a tous les traits de luxe dans un sac Hermès. Le crest en avant, il est fait genre en laiton recyclé, plaqué or 18 carats. Ouais, c'est pas mon genre normalement là, d'acheter des affaires en cuir en plus. Chris me raconte ça, mais j'avais envie de faire un investissement en me disant, ben ça va prendre la valeur, puis il n'y a rien dans ma tête de plus safe qu'un sac de luxe qui va prendre la valeur versus si tu laisses ton argent dans ton compte de banque à 0,5% d'intérêt, même pas, OK? Fait que j'ai pris la décision d'acheter leur tout premier sac de luxe parce que c'est une nouvelle compagnie. Puis c'est tout fait à la main en France, puis tout ça. Puis le sac était comme 995 €. Là, je suis comme, ouais, c'est quand même bien pour la qualité que le produit a, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commenté ça à 10h30 hier soir. J'ai eu vraiment un véritable coup de cœur, sincèrement, pour surtout le modèle, la couleur, puis le fait que c'est un sac qui va clairement prendre la valeur, parce que déjà, la compagnie a fait en quantité limitée parce qu'elle veut se faire connaître. Puis les prix sont vraiment abordables, tu sais, pour une sacoche de luxe, on se comprend, là, et on se frotte pas la face là-dessus. Fait que bref, tout ça pour se dire que je me suis acheté ça, puis tu sais, toute la nuit, je me suis comme... Ça m'a comme perturbée, tu sais, j'ai fait comme, oh mon Dieu, pourquoi j'ai dépensé comme... Parce que finalement, en canadien, c'est genre 1550$, hein? J'étais comme, pourquoi t'as mis 1550$ sur un os, petite sacoche? Ça me rappelle la première fois que je me suis acheté une plante. Ma première plante rare, qui était ma Frydeck Variegate à 150$. Puis, je me suis couchée le soir, j'ai fait de l'anxiété là-dessus. Je me suis dit, hey, tu sais, il faut vraiment être conne pour mettre 150$ dans une plante. Tu sais même pas si ça va crever, puis tout. C'était genre, j'avais fait beaucoup d'anxiété là-dessus. Je me trouvais folle, je trouvais que j'avais manqué de jugement, je trouvais que j'avais pas placé mon argent aux bonnes places. Je trouvais. Puis, c'est ça qui m'est arrivé cette nuit. OK. Fait que. Excuse pour le glou. Fait que j'avais besoin d'en parler. Est-ce que j'ai une totale conscience éclairée là-dedans? Je ne crois pas. Est-ce que je sais comment m'occuper d'un sac de luxe? Je ne crois pas. Est-ce que je vais le porter? Je ne sais pas. Parce que, ben, je vais le porter, oui, mais tu sais, je vais le porter vraiment dans des occasions spéciales. Parce que je me dis que. Bon, je me doute que j'ai pas tant de fans de sacs de luxe ici, là, mais. Pour te faire une histoire courte, c'est que, tu sais, je pense que le premier sac Chanel qui est sorti, là, m'a semble, je pense que c'était un Speedy. Du coup, du genre, il était sorti, il valait 500$. Puis, tu sais, aujourd'hui, les sacs Chanel, je m'excuse bien, mais il n'y a rien en bas de 10 000$. Là. Fait que,
Je me dis, tu sais, admettons que j'aurais le coup de chance que j'achète ce sac-là à 1500, puis que dans, c'était pas moins de 10 ans, ce sac-là vaut 10 000. Tu sais, rentabiliser 1500 en 10 000, c'est rare, merci. C'est sûr que la marque, t'sais, c'est son début pis tout, puis je pense qu'elle va peut-être même changer son crest en avant, parce que c'est vraiment un gros crest, là, genre, t'sais, c'est comme... C'est pas une marque de luxe qui est... Comment qu'ils appellent ça dans le monde du luxe? Que tu vois pas que c'est une marque de luxe, genre, fait que la compagnie, genre, tu vois même pas le brand, là, tu le sais que c'est un sac de luxe juste par sa forme, parce que tu connais ça. Mais sinon, tu sais, comme tu pourrais pas deviner. Mais eux autres, c'est un peu, ils ont mis le plus gros crest ever sur leur sacoche. Puis moi, j'haïs pas ça. Mais je pense que. Lilou, est-ce que tu vas manger une tape aux fesses, hein? Je t'avertis. On essaie de pogner ma chatte en souricière. Ça, c'est wrong. Elle l'a fait tantôt, j'ai pogné. Et chicané. En tout cas, tout ça pour dire que je pense qu'ils vont changer leur crest au fil du temps et qu'ils vont peut-être se trouver juste. Attends, je vais aller arrêter mon chat, là. C'est ça. Puis ils vont peut-être se trouver juste une lettre à mettre en avant. Ou peut-être pas aussi. Ils vont peut-être juste comme étamper le nom dans le cuir qui serait déjà moins visible. Là. Ça serait déjà vraiment moins comme allô, je m'affiche, regarde mon sac de luxe. Là. Fait que ce qui me fait dire encore plus que tu sais, peut-être qu'il va prendre la valeur parce qu'il va peut-être changer son crest au fil du temps pour faire quelque chose d'un peu plus discret, on va dire. Puis déjà que là, ils ont eu leur lancement, puis ils annoncent déjà quasiment en même temps une hausse des prix. Fait que ce qui est quand même très bien pour un sac de luxe, si tu veux pas qu'il stagne trop longtemps. Puis vu que, tu sais, comme je pense que cette marque-là, elle a juste 3 sacs, là. Elle a le même sac que j'ai acheté, mais en 3 couleurs. Je pense qu'il y a vert forêt, il y a noir, puis il y a beige. Moi, j'ai pris le beige. Ah, je suis une fille de risque. J'ai regardé le noir, puis je sais pas, c'était pas tentant. Puis le beige, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Puis tu sais, j'ai jamais eu de sac nude là, dans ma vie. Là. Comme je te dis, moi, souvent, je vais dans les couleurs popées, le rose poudré, le jaune. Puis je me suis dit, gars, un noir, c'est pas fait pour moi. Là. Moi, j'aime pas ça. Le beige, c'est parfait, ça peut fitter avec tout, sauf si c'est salissant. Fait que là, il va falloir que je me motive à essayer de comprendre comment traiter mon cuir. Puis je pense que la compagnie n'a pas sorti le spray ou je sais pas ce que tu mets sur le sac, une huile pour pas que l'eau touche au cuir puis qu'elle magane. Puis je pense qu'elle n'a pas sorti non plus son traitement pour son propre sac. Fait que ça, mettons, je le mettrai pas beaucoup de fois en attendant qu'il sorte les traitements pour pas faire déprécier sa valeur surtout. Fait que mon chum est tombé un peu sur le cul, il a dit mais oui, ça va prendre la valeur. Je suis certaine que ça va le faire. Fait que, genre, au pire, tu sais quoi, le sac me plaît. Fait que, à la limite, je me serais plantée. Mais, tu sais, si vous saviez le nombre d'argent, j'ai envie de faire un comparatif. Là. Si vous saviez le nombre d'argent que je peux mettre sur mon chat quand il va pas bien, vous tomberiez en bas de votre chaise. Fait que, tu sais, j'ai pas d'enfant. J'ai une vieille Toyota Corolla toute rouillée. Ben, comment ça va de la rouille, là? Ça va se faire réparer, là. OK? Elle a 300 000 kilos. Tu sais, j'étire mon stock. Je pense qu'on voit bien dans ma vie de tous les jours que je suis quelqu'un qui fait attention à ses affaires. Que je me paye pas grand-chose. La plupart du temps, je t'habille en mou. Bon. Fait que j'avais le droit. Tu sais, il y a du monde qui va aller se péter des virées shopping pour 500 $. Ben, moi, non. Je fais pas ça. Tu sais, il y a du monde qui va faire des épiceries à toutes les 2 semaines pour 500 $. Moi, ça me coûte 200 $ d'épicerie par mois. Je sais, c'est weird, mais c'est ça. Parce que je mange pas beaucoup, puis je fais vraiment attention à comment je prépare mes repas, puis j'ai toujours mangé que ça coûtait vraiment pas cher. Fait que c'était ça mon aparté, c'est que je fais de l'anxiété mentale avec ça, puis je me dis, genre, j'aurais dû prendre 2-3 jours pour y réfléchir, mais le sac que j'ai décidé de prendre, il restait 5 copies, il a pas été fait en grande quantité. Fait que il y a tout pour devenir un. Ça a tout pour devenir une marque de luxe qui va s'implanter, je pense, en Europe. Puis qui va faire sa place au travers Hermès, Chanel, puis tout ça. Fait que, puis si un jour ça devient connu, ben je pourrais dire que j'ai eu le premier sac. Puis attention, ce sac s'appelle l'œuvre 1.2. Fait que c'est un sac que son nom, c'est l'œuvre 1.2. Ça me rend heureuse, regarde. Ah, bah ouais. Fait que c'est ça. Il y a tout pour réussir. Son nom, il est nice, la couleur, tout. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de te montrer ça. J'attends ça. Le shipping était gratuit. Imagine ça va arriver. Je pense que c'est livré par DHL. J'imagine qu'ils vont me demander une signature. Fait
J'espère que mon sac restera pas poigné 100 000 fois parce que je suis quasiment jamais chez nous. Fait que c'est ça. Fait qu'on se revient avec ça, là, je m'en vais faire mon plan de care. D'accord? Puis je vais tranquillement porter une sacoche avec, genre, des jogging. Ça va être vraiment sacoche. Toujours aussi une face de cul. D'accord, je voulais te montrer ma trandesque ancia. On va aller voir les petites dommages. Je pense qu'elle a vraiment trop chaud. Faudrait que je l'arrose vraiment plus souvent parce que le pot est trop petit puis qu'il est dans un pot terracotta en plus. Mais on a de la feuille sec. Le terreau est sec comme la mort. Et là, je suis rendue à 3 feuilles que moi enlevé. Là, on va être dû pour. On va t'arroser ça à fond à la caisse. C'est ça. Moi, j'aime ça faire des petits ménages de même. Là. On repart sur une belle base pour 2 semaines. C'est quand même bien. On n'a pas, pas tant de pertes que ça. Puis, mais c'est ça, je te dis, c'est sec. Sec, les chums. Puis là, voici de quoi ça a l'air. Ils vont avoir des petites feuilles mortes partout, tout au courant de la journée. Puis, j'en ai déjà une bonne partie de fête. Mon étagère est faite. Le petit coin-là, il est fait. Le petit coin ici, il est fait. Puis là, ben, je suis rendue sur les rebords de fenêtres surtout. Tant qu'à ça, je vais te montrer aussi en même temps l'évolution de ma Publicalix que j'avais rempotée. On a 2 nouvelles feuilles juste ici. Puis on a une petite tige juste ici qui nous fait 2 nouvelles feuilles aussi. Vraiment contente de ça. Et sur le bord de la fenêtre, je pense qu'elle tripe. Pour ce qui est de ma Monstera Albo que je. Taille constellation, j'avais montré la semaine passée. La journée après, elle a commencé déjà à dégénérer. Fait qu'elle est retournée en rebord de fenêtre. Manque de luminosité. Et puis, on va partir avec elle. Que c'est vraiment l'enfer de sortir de là-dedans. Parce que les tiges sortent de partout. Il y a des nouvelles feuilles. Faut pas que je les accroche. Faut pas que je les arrache. C'est l'enfer. Cette plante est belle. Mais, ça me prend 20 minutes. À sortir de son maudit macramé à toutes les fois parce que les feuilles sont grosses, ça accroche partout. Eh, beau boy. Bon. Si elle avait fait 2 belles feuilles. Ah, elle est en train de faire en plus. Ah non, le session, j'avais trop sweat. C'est un peu ça aussi, hein. T'sais, ils sont directement au bord de la fenêtre. Fait que. Ils sèchent très rapidement. Puis, moi, je continue à les arroser pareil aux 2 semaines. En hiver, c'est moins pire parce que le soleil est pas mal moins chaud. Mais là, c'est très, très chaud. Surtout que ça fait une semaine qu'il fait beau, là. Voilà! On l'a enfin sorti! Elle est rendue grosse, hein? C'est une plante que j'apprécie un petit peu moins qu'au début parce que, ben, regardez sa posture, là. Puis, ses feuilles sont grosses en maudit. Puis moi, je suis un peu tannée d'avoir des grosses plantes à la maison parce que ça prend beaucoup de place. Mais je l'aime quand même. Je la garde pour l'instant. Regarde, on a une feuille qui a flétri juste ici parce qu'il y a manqué d'eau. On le voit. Trop de soleil. Puis c'est mou, là. À le soif, là. C'est comme les nouvelles feuilles sortent, mais il y aurait besoin de plus d'eau. On va s'occuper de ça. Puis là, on va aller porter les petites mademoiselles. C'est aussi la semaine que je donne de l'engrais aux plantes. Que je pense à donner de l'engrais aux plantes. En plus, il y en a de même. C'est savoir l'engrais que j'utilise. J'utilise l'engrais de l'aroma. Attends une minute. Parce que c'était un pot que j'avais acheté il y a une couple d'années que je n'utilisais pas. C'est du 20-18-18 de Schmidt comme ça. C'est de l'engrais pour plantes. Puis à l'intérieur, c'est de la poudre bleue. Je l'ai quasiment fini d'ailleurs. Je sais pas si je vais faire après. Je pense que je vais m'acheter du 20-20-20 comme vraiment cher en pépinière. Ça, puis je voulais aussi peut-être tranquillement changer vers l'engrais solide en bille. Parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a suggéré. Oh! Puis ben, j'aimerais bien ça, utiliser ça. Je pense que ça serait peut-être plus simple pour moi parce que tu mets juste tes billes. Puis après ça, ben, par là, exemple, 6 mois, ils ont l'engrais. Fait que, puis là, on a pogné du monde molasse ici, là. Regarde, Syndapsus Silverian qui est en train de friser. Ça, c'est ce que j'appelle la crise du Syndapsus. C'est genre, si m'a frisé, il est pas content. Il a dans Swift, le pauvre petit pet. C'est terrible, sa vie. Tandis que les autres, genre, ils s'en remettent quand même assez bien. Une sécheresse de 2 semaines, là. Mais c'est juste Syndapsus, il aime vraiment pas ça. Puis, on a la Snow Queen qui, elle, à chaque fois qu'elle manque d'eau.
Elle a l'air pouette pouette comme ça. Mais si on va la revoir ce soir, d'après moi, elle va tout être remontée. Fait que voilà pour ceux-là. Puis là, on va essayer d'avancer un peu plus vite parce que je filme en même temps. Mais savez-vous vers quelle heure normalement je termine cet arrosage la fin de semaine? C'est d'habitude, si je donne un bon coup de pouce puis que j'arrête pas, là, vers 5h après-midi. Fait que faut vraiment pas que je lâche. J'ai pas beaucoup de temps pour masser pour pouvoir relaxer la journée de ces arrosages. Okay, j'essaie de faire du montage un petit peu en même temps, mais il faut que ça avance parce que je pense qu'on a près de d'en arroser dans les 200-300 aujourd'hui là, environ. Il est tellement sec à tomber sur le côté, c'est super. Ouais, c'est ça, on est dans les 200-300, fait que si on veut venir à bout avec les petits lavabos et le petit bain que j'ai. Il y a certaines plantes ici que je peux pas mettre dans le bain nécessairement parce que les pots sont trop petits puis il y aurait trop de risques de faire d'erreurs d'arrosage, fait que je le fais pas. Mais fait que ça inclut que s'il rentre à peu près 10 plantes de la chatte dans mon lavabo, puis ça c'est si j'ai vraiment des petits pots. Fait que c'est vraiment long. Puis il faut que j'aille les replacer. Faut que j'enlève les feuilles mortes. Puis faut que je donne l'engrais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Je suis allée me détacher les cheveux là, parce que c'est ça. C'était laid mon affaire. Mais je vais vous dire que la semaine prochaine, ça va sûrement être un haul spécial. Pas un haul, mais une vidéo spéciale parce que j'ai commandé des produits sur Amazon que j'avais envie de tester, que j'avais vu sur TikTok. Donc, c'est comme un rouge à lèvres permanent, si vous voulez. Mais pas permanent, mais comme pour 24 heures, mais comme peel off, que j'avais vu sur TikTok. Ça a l'air que c'est super, c'était super on trend. Fait que j'ai commandé ça, c'est comme 30$ de rouge à lèvres, mais j'ai vraiment hâte de tester. J'ai recommandé mes crayons à sourcils parce que, genre, je suis une fille de même, là, je suis cheap. Fait que, genre, des fois, je manque d'un produit puis je suis comme, ah, c'est trop cher. Finalement, j'en ai commandé 3 sur Amazon parce que c'était vraiment, ben, c'était pas grand chose de moins cher là, que chez Walmart, mais c'était vraiment comme, je sais pas, 3-4 sous de moins. Fait que j'en ai commandé 3. Pour être sûr de pas manquer puis de pas courir après ça. J'ai aussi commandé mon auto-bronzant chez Maxi. Je vendais quasiment 15$ sur Amazon, 12$ et quelque chose. Fait que j'ai économisé en commandant là. Je me suis commandé un toner pour mes cheveux. Girl, on peut-tu en parler? Écoute, c'est ça qui est ça. Mais là, j'ai été voir des vidéos pour être capable d'avoir comme vraiment quelque chose de plus beau dans mes cheveux quand je vais mettre le toner. Fait que peut-être il se pourrait que je me teigne mes cheveux, que je vienne chercher les rebords ici, que je vienne remonter un petit peu plus les mèches. Mon gros problème, c'est que je ne me rappelle plus quelle couleur j'ai mis dans mes cheveux. C'était une teinture que ma mère m'avait donnée. Moi, je suis une fille de même. Là. Fait que, puis je sais qu'il en reste une deuxième, mais je ne suis pas sûre que c'est la même couleur. Fait que j'ose comme plus ou moins, mais je vais sûrement tester pareil. Puis hier, j'ai donné un shampoing bleu pour enlever tous les reflets jaunes dedans. Et le toner que j'ai pris, c'est un toner comme gris argenté pour aller couper le jaune, puis que ça fasse un blond comme Instagrammable, on va dire, tu sais, les filles sur Instagram avec les beaux cheveux blonds glaciers, là. Bon, je sais pas si ça va donner ça ou si ça va donner gris, mais en tout cas, bref, c'est un essai. Fait qu'au pire, je me scrape la tête, puis c'est pas grave, ça sera pas fin du monde. Je pense que c'est comme un produit qui dure peut-être un mois. Fait que c'est pas fin du monde, là, si je me prendrais un mois, j'ai les cheveux gris. Ça me donnera un aperçu des caisses de l'air quand je serai vieille. Plus ma sacoche que j'attends. Fait que je pense qu'on va y aller pour un petit truc beauté la semaine prochaine, tout en jasant de plantes au travers, tout ça. Mais je pense qu'il va y avoir un toner qui va se donner, du rouge à lèvres qui va se mettre, des crayons à sourcils, puis de l'auto-bronzant pas cher. Fait que un make-up cheap, mais look naturel, mais comme pas naturel. On va dire ça de même, puisque moi, c'est ça mon look de la vie. J'essaie d'avoir l'air naturel. Fait qu'en mettant de l'auto-bronzant, ça me laisse pas comme une couche dégueulasse de fond de teint qui rentre dans les débuts de rides. Puis les crayons en sourcils, c'est quand même chill, là. Tu sais, moi, j'ai comme, ils sont tellement pâles, mon petit griff, puis ils sont tellement alettes. Trop épileux quand j'étais jeune. Fait que les crayons sur ça me redonnent un. Plus les lèvres qui vont être colorées sans avoir de rouge à lèvres, j'espère avoir quelque chose de naturel. Fait que c'est ça. Plus le toner. Fait que ça va me faire une nouvelle tête, une nouvelle face. Ben, ben, hâte de ça. Je vais te montrer par la fenêtre des feuilles décédées. Parce qu'il fait chaud puis qu'il fait trop beau. Fait que moi, j'enlève mes feuilles qui sont jaunies un peu parce que de toute manière, elles vont tomber. Puis malheureusement, pour mon syngonium aurea, il a perdu une feuille qui était variée. La première, je pense, de son
Non, ok, c'est le pied qui fait de la variation, celui-là. Fait que c'est ça, fait que c'est enlevé aussi. Vous comprendrez qu'un arrosage aux 2 semaines, si vous voulez pas avoir trop de pertes de feuilles, c'est peut-être trop long avant que les plantes soient comme... C'est trop long, hein. C'est trop long, c'est juste trop long. Les miennes sont habituées chez nous, là, puis moi, ça me dérange pas de perdre des feuilles, mais si toi, ça te fatigue d'avoir du croustillant, ben... arroser plus souvent, moi personnellement. Je trouve qu'ils ont l'air, tu sais, sont toutes quand même pas mal heureuses de ça, là. C'est sûr qu'il y en a qui trouvent ça un peu plus difficile que d'autres, mais ils finissent toutes par s'habituer un peu. Comme là, normalement, tu sais, ils auraient dû être arrosés dimanche, là, on est lundi. Fait que c'est sûr qu'hier, il y en a une couple qui commençait à tomber sur le camp, quand matin, ils me soulevaient, puis ils étaient comme genre moches. Mais ils reprennent tout le dessus. Fait qu'ils sont habitués à comme je meurs de soif, je suis inondée, je meurs de soif, je suis inondée. Oui, il doit y avoir des racines là-dedans qui se perdent puis qui meurent. Mais pas assez pour que je le vois, moi, au niveau de la du feuillage, puis qu'il n'y a pas de signe. Fait que voilà. J'ai le devoir de te montrer ma marante Vergate, qui va tellement bien depuis qu'elle est sur le bord de la fenêtre dans la salle de bain. Je vais te montrer ses dernières feuilles. Mon Dieu, on ne les voit pas beaucoup, hein? Méga tache ici. Super belle, juste ici. Regarde-moi cette beauté. Toute tachée, on voit pas bien, hein? Mais elle était écœurante, elle a recommencé à me sortir des grosses feuilles. Ici, elle est en train de m'en sortir une nouvelle aussi. Écoutez, son bord de fenêtre, je pense qu'elle apprécie beaucoup. Je suis vraiment contente, elle est redevenue belle comme que je l'aime. Fait que je n'arrête pas de m'en occuper. Je la regarde souvent. Je la trouve tellement jolie. Ça va être ma future Maranta Lemon Lime. Ça continue de même. Trop, trop hot. Elle aime bien, dans le fond, cette fenêtre, début de journée. Je pense que c'est à l'est. Puis le soleil, il se lève de ce côté-là, mais dans cette fenêtre-là ici. Fait qu'elle voit pas le soleil, mais elle voit le début de journée, tu sais. Fait que c'est ça. Puis sincèrement, c'est jamais porté aussi bien que ça. Puis là, son terreau, il est sec, puis elle va bien. Normalement, elle serait comme genre pouette-pouette. Puis elle est comme, non, moi, man, j'aime vraiment ma vie. C'est très humide dans la salle de bain. Hein. Fait qu'elle est sur le bord de la fenêtre, dans la douche. Fait que, on s'en va l'arroser. Voici ma découverte. Ça fait ça aussi. J'ai dû oublier de l'arroser quelque part dans la semaine. Fait que, obligé de jeter. Puis, elle m'a déjà fait de la pourriture racineur, celle-là. Fait qu'il se pourrait que, à cause du super pot, qu'il y a une abonnée en plus qui m'a dit tes trous sont pas assez gros, effectivement. Puis, je me suis pas donné la peine d'aller re-checker. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste manipuler le pot pour, dans le fond, que la terre se slack un peu pour que le terreau puisse bien voir. Fait que, voilà. Je vais tirer un peu, voir si c'est encore bien accroché. Oui, fait qu'il resterait encore des racines probablement, là. Peut-être pas des fortes, là, mais... Puis, ça s'en va à l'arrosage dans le bain, puis je donnerai pas d'engrais pour la cause. Je vais couper ça ici, comme ça. Puis, elle risque de repartir par elle-même. Si elle repart pas, ben on fera un rempotage dans quelque chose de plus petit. Je me rappelle pas si je vous avais parlé, mais ma... Si vous avez une Calathea qui est quand même assez grosse, Rattlesnake, là, à ce temps-ci de l'année, je sais pas ce qui se passe. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Elle sent la pisse de chat. C'est pas parce qu'il y a un animal qui a fait pipi dedans, c'est impossible. OK? Fait que je l'ai tout nettoyé, tout. J'ai rechangé le terreau, j'ai fait le maximum. Lavé le feuillage et tout avec du savon. Puis elle sent encore la pisse de chat. Fait que c'est. On dirait que c'est une odeur qu'elle émane. Je sais pas pourquoi, peut-être, tu sais, dans la nature, il y a certaines plantes qui vont sentir fort pour faire fuir les prédateurs, qui veulent les grignoter. Rendu au temps de l'année, c'est comme si c'est l'été, fait que peut-être que, tu sais, dans son pays à elle, je sais pas, c'est peut-être la grosse saison, des bébêtes qui mangent des feuilles des Calathea, mais en tout cas, ça sent fort, fait que ne lave pas toute ta pièce pour rien. Si ça sent le pipi de chat dans tes plantes quelque part dans la maison, puis t'as des animaux, garoche-toi sur ta rattlesnake puis sniff-la, c'est probablement elle qui pue. Ça sent pas si fort que ça, là, pour vous être honnête, mais ça reste tout le temps un fond d'odeur. Tu sais, comme moi, cette plante-là est dans ma chambre, une pièce qui est quand même pas très grosse et qui est pas aérée. Puis si jamais dans le salon, je la sens pas. Mais là, elle est dans ma chambre, il y a beaucoup de soleil, fait que ça sent quand même un peu, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Si jamais tu viens chez nous et que ça sent la pièce de chat, c'est ma Calathea qui pue.
Puis je veux pas acheter parce que je l'aime. Fait que c'est ça. Fait que je viens avec son odeur pour l'instant. Bon, tu me vois pas, hein? C'est normal. C'est à cause de mademoiselle qui est couchée sur le côté. Fait que c'est un peu ça aussi, faire l'entretien des plantes. C'est qu'à un moment donné, quand il y en a une qui va pas bien, ben il faut s'attaquer à ça. Elle, ça fait plusieurs feuilles dans le fond qu'elle me perd. C'est ma Aeolisa australis. Fait que là, c'est le moment d'aller voir les racines pour savoir qu'est-ce qui marche pas là-dedans. Puis de peut-être rechanger le terreau pour quelque chose de mieux. Puis, ben peut-être rapetisser son pot là, s'il y a eu de la pourriture racinaire. Fait qu'on va aller checker ça. Les racines sont super belles. Fait que je sais pas c'est quoi le problème. Peut-être pas assez d'eau. Peut-être surplus d'eau passée après. Mais pour moi, ça, c'est super beau. Noya, je suis pas stressée du fait qu'elle est coincée. Par contre, je vois qu'elle a séché un petit peu ses racines. Fait qu'on peut le voir, là, c'est une racine qui est aplatie, qui est pas bien humidifiée. Fait que, au moins, on a la tête et la conscience tranquille. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rajouter un petit peu de terreau au fond pour lui donner une petite chance d'aller se promener. De la remettre et d'aller bourrer les trous. Là, présentement, elle est vraiment trop lourde pour son pot puis elle est pas assez humidifiée. Fait que ça donne ce que ça donne. Mais on va essayer de la squeezer avec ses cils. Restant, puis essayer de la remonter tranquillement, pas vite. C'est sûr que ça risque de briser quelque peu les racines parce que là, tout est sec là-dedans sans bon sens. Mais ça, déjà d'avoir du nouveau terreau, ça va lui donner un petit coup de pouce. Tiens, on va mettre ça dedans, on va voir s'il y en a partout. Puis on va venir arroser ça, mais pas trop non plus parce que là, on ne veut pas choquer les racines qui ont séché beaucoup trop. Depuis qu'elle a grandi, elle mériterait d'être un petit peu plus arrosée que ce que je fais là présentement. Puis, elle n'a pas eu non plus de nutriments depuis un petit bout de temps. Fait que, tu sais, un terreau trop drainant et pas assez de nutriments, ben ça donne ce que ça donne. Fait que, voilà. Puis, on a aussi 5 autres Lisa Australis à s'occuper. Ils ont commencé aussi à perdre leurs feuilles. J'ai dû les retirer de l'entreprise pour m'en occuper un petit peu plus pour les remettre sur pied. Fait que voilà, on arrose ça. Bon, on y va pour celui-là. Monsieur fait vraiment dur. Il est en train de nous faire de la chenoute juste ici. Il mériterait sincèrement, là, comme garde. Ça, c'est sûr, ça va mourir, là. Fait que, je m'appelle ça de tige. Puis, il tient du bout de sa vie dans le pot. Fait qu'il mériterait qu'il soit coupé, bouturé et tout le tralala. Mais avant ça, je vais rajouter de la terre sur le dessus du pot. Je vais le réhydrater comme il faut. Puis après ça, je vais venir le couper. Et ça veut dire que ça va prendre encore au moins 2-3 jours avant que je puisse faire quelque chose avec. Puis là, on va refaire des boutures, puis je vais le replanter dans le même pot. Là, il a vraiment, vraiment, vraiment soif. Il est écœuré de sa vie. C'est l'été. Je fais crever de soif mes plantes. Je suis une fille comme ça. Si vous voyez, ma poubelle, c'est rempli de feuilles. Mais c'est normal. Mon Syngonia Malbo, je vous l'avais montré cette semaine. Il n'allait pas bien. Fait que voilà une feuille. Voilà deux feuilles. Voilà, trois feuilles, puis ça, j'en ai une quatrième, elle est juste ici. Hop, hop, je suis en train de blesser une autre feuille pour pouvoir l'enlever. Voilà, fait que lui a commencé à péter sa coche, il a trop soif lui aussi, fait qu'une bonne baignade, ça devrait l'amener à être un petit peu plus heureux. Je vais couper un petit bout parce que le blanc finit toujours par brûler un tantinet. Fait que voilà, c'est ça l'été, c'est ça. C'est beaucoup de feuilles qui sèchent si tu n'es pas adapté à l'arrosage de tes plantes, de ce qu'ils te demandent. Voilà, petite chanson. Bon, là, il est présentement 10 heures. Ah, de la lumière. Et je suis rendue dans la serre, fait que ça avance vraiment super bien. Je pense que ça va un petit peu plus vite parce qu'on a vendu quand même pas mal les dernières semaines. Fait que j'ai un petit peu moins de plantes à arroser, tu sais. Le lot descend au fur et à mesure, puis je calcule pas ce qui sort de la chute pour savoir à combien de plantes je suis rendue dans la maison. Je sais juste qu'habituellement, ça prend vraiment plus de temps que ça. Puis, c'est ça. Fait que quand j'avais parlé des petits cuttings que j'avais fait, je suis maintenant une serveuse avec un plateau de plantes.
Voilà. Et des plateaux comme ça, j'en ai un paquet. Mais ça va quand même, somme toute, super bien ce matin. Et ça avance vite. Les bébés sont super beaux. Si tu veux avoir une frousse, t'as une minute, je vais juste goûter. Un alacacia fried egg variegate tout blanc. Fait que lui, je laisse vivre sa vie. Peut-être qu'à un moment donné, il va nous sortir une feuille colorée ou juste mourir d'épuisement avec son bulbe. Mais pour l'instant, il me dérange pas. Il est dans ça, il est dans son petit pot, il vit sa best life. Puis il est directement en dessous de lumière de croissance. Fait que pour lui, c'est idéal. Mais c'est pas viable. Là. On se comprend, c'est pas viable. C'est juste pour le plaisir. Si jamais il me sort quelque chose, il est en train d'en brunir une de ses feuilles blanches. Fait qu'on va la couper, mais il est vraiment. Il est trop. Il est albinos, le pauvre. D'ailleurs, parlant de ça, je vais aller chercher ma Monstera Albo qui faisait un début de feuilles très, 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 très blanches. En fait, totalement blanches. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Elle est magnifique. Elle est magnifique et elle est toute blanche. Comme je croyais, même pas un once de verre dessus. Fait que voilà la bête. Je vous penche que tu puisses bien voir cette petite beauté qui se cache juste ici avec fenestration. Écoute, juste trop beau. Fait que c'est ça. Je veux pas être chier, je veux pas la blesser, rien, mais. On en parle-tu? Oh, je suis tellement contente. Vraiment contente. Ma première feuille blanche de Monstera Albo, on fête ça. C'est la mort. C'est parfait. C'est trop blanc. Tout est trop blanc. Tout est vraiment trop blanc. Je pense que ça pourrait être genre clairement la couverture de cette vidéo. Je suis trop contente. Avant qu'elle brunisse, j'ai malencontreusement effacé une vidéo que j'avais faite. Que je voulais faire en accéléré. Dans le fond, c'est parce que j'ai commandé des plantes en importation de groupe, deux plantes qui sont, ma foi, extraordinaires, qui viennent de Thaïlande. J'ai fait affaire avec, dans le fond, un autre plant shop pour pouvoir faire cette commande-là. C'est des importations de groupe, là. C'est tout le monde qui peut se mettre ensemble, puis ils commandent certaines quantités de plantes, puis c'est, dans le fond, les clients qui acclimatent eux-mêmes les plantes. Puis j'ai commandé sept. Plante trop, trop belle. Celle-là, c'était pour moi, là, elle vient d'arriver, là, ça fait pas longtemps. Je pense qu'elle est arrivée mercredi. Donc là, on est lundi. Je sais que les Aglaonema, Manomela et tout ça, ils s'acclimatent super bien. Pas besoin d'y mettre nécessairement en perlite ou en mousse de sphinx ou un mix des deux. Fait que je l'ai rempoté directement dans de la terre. Je vais t'écrire le nom en bas parce que pour moi, c'est comme un nom imprononçable. Mais regarde-moi les variations insane de cette plante. Trop, trop belle. J'avais envie de me gâter, puis celle-là m'a vraiment flashée. Là. Puis en plus, il y a une nouvelle feuille qui est en cours. Fait que trop, trop en amour avec cette plante-là. Je vais te commander aussi un Syndapsus... Moonlight Albo. Incroyable. Non, je veux dire, en tout cas, vraiment surpris de la qualité. Là. Les plantes sont arrivées insane. Le plant il est super beau. Là. Je ne vais pas le sortir. Lui est en acclimatation, mais les racines sont arrivées comme un petit bijou. On dirait même pas qu'il avait voyagé. Là, présentement, il est en prop box. Puis, il y a 7 ou 8 feuilles. Des feuilles, ma foi, trop belles. Puis c'est ça, celui-là, je sais pas ce que je veux faire avec, je le garde-tu, je le garde-tu pas, j'ai aucune idée. Mais j'avais envie d'un nouveau Syndapsus que j'avais pas eu encore, fait que c'est lui que j'ai choisi. Puis voilà, ça, j'ai vraiment trop hâte de voir grandir ça, sincèrement, si Giglou peut ne pas la manger, ça serait vraiment cool. Là, elle est en serre présentement, mais quand un jour elle va sortir de la serre, ça serait le fun qu'elle se fasse pas manger par le petit minou. Je reviens pour fermer cette vidéo. OK, j'ai pas fini encore les plantes communes, mais il y en a une partie de chiette. Mais là, c'est ça. J'étais en train de me faire bronzer, hein, tout croche comme une SBS. Puis, je me suis fait bouffer, ma foi. En tout cas, on le voit pas bien, là, parce que ça commence à désenfler, mais ici. Puis, je me suis fait bouffer la main, OK, qui est... extrêmement enflé présentement. Là, la bibitte, c'est comme une genre de
de mouche à chevreuil, là, mais à un autre level. Tu sais, je me suis fait manger dans le dos par une mouche à chevreuil. Ben, je pense que j'étais rendue à comme 7-8 piqûres de grignotage. Ça a bien été, mais là, celle-là, ça n'a pas passé au conseil. C'est comme une nouvelle, là. Je sais pas, ressemble pas aux autres. En tout cas, elle a comme toutes les cheveux, je parle des cheveux noirs, les ailes noires. Fait que là, c'est ça. J'étais avec mon ice pack en train d'essayer de me faire désenfler un petit peu. Parce que je réagis fortement. Et ça, pourquoi, quand cette belle journée, je dois rester dans la maison? Parce que si je continue à me faire piquer comme ça, je me suis fait piquer sur la cuisse. C'était gros comme un 2 piastres et plus. Fait que c'est ça. Ils font juste à déposer sous moi, je les tape ici, puis ils ont le temps de rentrer leur venin dedans de moi. Fait que c'est ça. Fait que là, ça me pique partout. Fait que c'est là-dessus que je vais conclure ma vidéo. OK? D'accord. Puis oui, je me fais bronzer en brassière du Dolorama. Qui s'achète des sacoches à 1 500 $ et qui pourra s'acheter un morceau de vêtement qui fait de sens. Ben, c'est ça. Fait que je vous embrasse. Puis je pense que ça fait une assez longue vidéo. Vous pourrez l'écouter en 3 shots si j'avais voulu. Puis on se revoit la semaine prochaine pour, ben, peut-être un petit vidéo mode. On verra quand est-ce que je vais rentrer, mais c'est selon Amazon de vendredi. Ciao là!